Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour les règles de la Deathwatch. Je pense à vous abonner, vous faites les liens de la chaîne, tout ça. Les règles de la Deathwatch, le petit index de la Deathwatch dans cette petite série vidéo sur les index. Je vous le rappelle, pour trouver les datasheets, il faut aller sur le site de Warhammer Community, download et faire français. Elles sont juste ici. Elles n'étaient pas là, elles sont apparues comme ça, comme par magie. Vous faites download, vous arrivez sur le PDF en question. Et deuxième chose, ce sont des règles d'armée et non pas des règles de détachement, ce qui est quand même assez rigolo. Mais bien du coup, normalement, si tout est comme d'habitude, ils ont quand même serment de l'instant. Donc, c'est pour l'instant des vidéos que j'ai fait, la seule et unique Faction Focus. Après, j'ai pas fait encore Space Wolf, règle de détachement. C'est la seule et unique qui a une règle d'armée en plus de serment de l'instant. Sinon, comme d'hab, je vais peut-être aller là. Si jamais vous voulez la règle spéciale de votre armée Space Marine, quelle qu'elle soit, quelques chapitres que ce soit, pardon, comme Black Templar, etc., etc., vous avez serment de l'instant qui est ici dans le datasheet pour les Space Marines. Et si vous voulez des trucs génériques, comme par exemple le capitaine en armure gravis, eh bien c'est également dans ce PDF sur les Space Marines. PDF que j'ai revu sur cette chaîne, donc vous pouvez aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc, la Deathwatch. La Deathwatch a un truc assez sympathique qui s'appelle les Kill Team et ils auront donné du coup une règle spécifique. À chaque attaque qui cible une Kill Team de votre armée qui contient des figurines ayant des caractéristiques d'endurance différentes. Exemple, typiquement la Kill Team. Alors je sais pas si on va la voir juste là en entière ou pas. Mais voilà, typiquement rien que là on a. Ah non, c'est pas ça. Mais c'est cette Kill Team là, la Kill Team Casus. Dedans, voilà, il y a 36 000 trucs en fait. T'en as qui ont des réacteurs dorsaux comme ça. T'as une moto, un Terminator, le motard qui est là, les réacteurs dorsaux, ils les ont pas mis, mais il y en a qui ont des réacteurs dorsaux, il y a énormément de choses différentes, et donc forcément, il faut bien une règle pour définir tout ça. Jusqu'à ce que l'unité attaquante ait résolu ses attaques, utilisez la caractéristique d'endurance de la majorité des figurines quand vous devez déterminer quel résultat est requis pour que cette attaque blesse. Si plusieurs caractéristiques d'endurance sont à égalité, pour déterminer la majorité, utilisez la valeur la plus élevée. Donc en gros, une kill team avec dedans une seule moto ou un seul totor s'ils sont 10, c'est un petit peu dommage parce que la moto et votre totor n'auront pas la bonne endurance. Et ils auront du coup, malheureusement, enfin la moto c'est rendu 5, je sais pas, mais le totor en tout cas il aura pas son rendu 5. Et c'est un petit peu dommage. Au regard des règles pour déterminer quelles figurines peuvent embarquer dans une figurine de transport, les figurines de Terminator de Kill Team, d'Outrider de Kill Team, de Motard de Kill Team et les figurines équipées d'un réacteur dorsal occupent chacune la place de 2 figurines. Mais elles peuvent sinon embarquer dans n'importe quel transport dans lequel leur unité peut embarquer, même si des figurines similaires dans d'autres unités ont le mot-clé Terminator, Monté ou réacteur dorsal. Donc il y a un monde où tu peux mettre une moto dans un rhino. Ou un rhino dans un totor dans un rhino. Au regard des interactions avec des éléments de terrain, toutes les figurines d'une unité avec l'aptitude Kill Team sont traitées comme de l'infanterie, même si ces figurines, des figurines similaires dans d'autres unités ont le mot-clé monté ou réacteur dorsal. Si les légères abstractions des règles ci-dessus peuvent pousser des figurines à se comporter différemment de figurines similaires dans d'autres unités, elles sont conçues pour minimiser les mouvements, les transports et les effets de bénéfice du couvert typique ou compliqué. Ok, voilà, c'est pour être plus tranquille. Donc voilà, il y a peut-être moyen que ça gruge 2-3 trucs, mais ça sera pas non plus, je pense, très game breaker, parce que vous allez gruger. En fait, quand vous n'êtes pas en majorité ou quoi, vous allez gruger pour quelques motos par-ci, quelques totors par-là, c'est pas ouf. Donc, les règles de détachement. Déjà, il y a des restrictions, votre armée ne peut inclure que des figurines Deathwatch, comme d'hab. Votre armée ne peut inclure aucune des unités suivantes. Donc, dans ce que je vous ai dit là, le PDF sur les Space Marines qui donne toutes vos unités, eh bien vous avez droit à tout, comme par exemple le capitaine en armure gravis, comme on l'a vu avant, mais vous n'avez pas droit à escouade d'assaut, escouade d'assaut à réacteur dorsal, escouade de moto d'assaut, escouade dévastateur, le Landspeeder Storm, et seulement le Storm, l'escouade de scout, l'escouade de scout sniper et l'escouade tactique. Tout ça, niente, vous n'avez pas le droit en Deathwatch. Si vous avez des figurines comme ça que vous avez déjà montées, dommage. Mais normalement, il n'y a pas de raison.
Tactique de mission, du coup, ça c'est la règle spéciale du détachement. Au début de votre phase de commandement, donc au début de chaque phase de commandement, au final de chacune de vos phases de commandement, vous pouvez choisir une des tactiques de mission listées ci-dessous. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, cette tactique de mission est active et ses effets s'appliquent à toutes les unités de votre armée ayant cette aptitude. Chaque tactique de mission ne peut être choisie qu'une seule fois par bataille. Ça nous rappelle... Je sais plus quel chapitre, mais ça nous rappelle les Space Marines normaux. Bah oui, bien évidemment, les Space Marines normaux, ils ont exactement ce délire-là. Et oui, avec les doctrines de combat, bah eux, c'est des tactiques de mission. Ils ont la tactique Furor. Tant que cette unité, tactique de mission est active, les armes dont sont équipées les unités à l'étude de la certesse de votre armée ont l'aptitude touche soutenue 1. Ce qui peut être quand même assez sympa si vous avez Mass Bolter ou ce genre de truc pour faire encore plus de saturation. Tant que cette tactique de mission est active, les armes dont sont équipées les figurines, les unités Adeptus Astartes de votre armée ont l'aptitude de touche fatale. Ce qui peut être aussi pas mal avec de la saturation. Parce que touche fatale, je vous rappelle, pour un 6 pour toucher, blessure auto, touche soutenue, c'est un 6 pour blesser, une touche en plus. Et enfin, précision, ça peut cibler les persos. Et donc, tant que cette tactique de mission est active, chaque attaque d'une unité Adeptus Astartes de votre armée, si une touche critique est causée, cette attaque a l'aptitude. Pourquoi là ils le disent précision. Ah oui, non, c'est que sur un 6 que vous avez précision. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on avait là? On avait tiré un tour, voilà, avancé. Ouais. Déclarer une charge à tirer si elle a battu en retraite. Et déclarer une charge ou un tour à l'avancée. En vrai, je préfère les doctrines Space Marine. Après, je suis pas fan des Deathwatch, moi, de base. Parce qu'en fait, j'adore le style, j'adore l'idée, mais ils ont quasiment toujours été nerfés, quasiment jamais joués, c'est un peu dommage. Et j'en avais acheté, et du coup, je les ai jamais sortis, donc depuis je boude. Armure de mépris. À la phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après que votre unité a choisi ses cibles. La cible du stratagème pour un PC d'ailleurs, c'est une unité Adeptus Astartes de votre armée qui a été choisie pour la cible de moins une unité d'attaque. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque qui cible votre unité, dégradez de 1 la caractéristique de pénétration de l'armure. Un truc qu'on a déjà vu chez les Blood Angels, je crois, parce que j'ai fait d'affilée. Le tactique d'adaptation. Pour un PC à votre phase de commandement, jusqu'à 2 unités kill team de votre armée ou une autre unité Adeptus Astartes de votre armée, pour chaque unité ciblée, choisissez la tactique de mission Furor, Malius ou machin, et jusqu'au début de la prochaine phase de commandement, elle est active au lieu de... Ouais, c'est exactement le même que dans le Space Marine. Teleportarium pour un PC à la phase de combat adverse, jusqu'à 2 unités kill team. Enfin, c'est le même, sauf que là, ça peut être jusqu'à 2 unités kill team, alors que l'autre, c'est juste une seule. Voilà. Jusqu'à 2 unités kill team ou une autre infanterie Adeptus Astartes de votre armée, retirez ces unités du champ de bataille. À l'étape des renforts de votre prochaine phase de mouvement, placez chacune de ces unités n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces à l'horizontale. Vous ne pouvez pas choisir d'unité à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est à la fin. Ah, c'est à la fin de la phase de combat adverse. Ouais, bon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa si vous avez tué des trucs et que vous voulez aller de l'autre côté et tout, c'est qu'un PC, c'est pas mal. Munitions Hellfire. Pour un PC à votre phase de tir, jusqu'à 2 des unités qui team de votre armée qui n'ont pas été choisies pour tirer à cette phase, ou alors une autre unité à des de votre armée qui n'est pas véhicule et qui n'a pas encore été choisie pour tirer à cette phase. Et bien jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité ont les aptitudes anti-infanterie 2+ et anti-monstre 5+. Ça peut être pas mal. Vous pouvez pas choisir une unité qui a déjà été ciblée par le stratagème munition Kraken. On va voir du coup juste en dessous, je présume. Ah, ça c'est sympa. Anti-infanterie 2+, c'est cool. Anti-infanterie, un tri monstre 5+, 4+ aurait été mieux, mais c'est pas mal. Mission, munition Kraken. Donc du coup, c'est soit ça, soit ça. D'ailleurs, c'est ou munition Dragonfire. Il y a aussi les munitions de Dragonfire. Pour un PC, avant c'était gratuit les munitions, si je dis pas de bêtises. Hein. À votre phase de tir, jusqu'à 2 unités qui team ou une unité à des Astartes qui n'est pas véhicule. En gros, jusqu'à la fin de la phase, améliorez de 1 l'APA des armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité et améliorez de 6 la portée des armes. Sympathique. Munition Dragonfire. Pareil, 2 unités qui team ou une seule Adeptus Astartes qui n'est pas véhicule. En gros, les armes de tir dont sont équipées les figurines ont les aptitudes assaut et ignorent les couverts. Sympa, hein, pour tirer, comment ça s'appelle ? Pour tirer après avoir couru.
Voilà. Les optimisations. Optimisation, je vous rappelle, c'est des trucs en plus, c'est des équipements spécifiques. Figurine à la pièce d'attaque uniquement. Améliorer de 1 la caractéristique de force, de dégâts et de pénétration d'armure des armes de mêlée du porteur. Si une figurine ennemie est détruite suite à une attaque de mêlée du porteur à la fin de cette phase jusqu'à la fin de la bataille, vous améliorez alors de 2 ses caractéristiques. C'est rigolo, c'est la voleuse des secrets. La balise Angelis, figurine à des plus certaines uniquement. Les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude de FEP, frappe en profondeur. De plus, vous pouvez cibler l'unité du porteur avec le stratagème arrivée précipitée pour 0 PC. Pas mal, pas mal, pas mal. La clé osseuse, figurine uniquement maître du guet ou tyrannide. Maître du guet, c'est en gros c'est lui là. C'est le capi. Il est capitaine. C'est le capitaine, mais version des Swatch. Donc, un capi ou un tech marine, enfin un maître du guet ou un tech marine, au début de la phase de tir adverse, choisissez une unité véhicule ennemi qui n'est pas titanesque, à 12 pouces et visible du porteur. La figurine choisie doit faire un test de commandement. S'il est réussi jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de l'unité ennemie, soustrayez 1 au jet de touche. Si ce test est raté, l'unité ennemie n'est pas éligible pour tirer cette phase. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Figurine, maître du guet ou capitaine uniquement. Une fois par bataille, après que vous ayez choisi une unité ennemie en utilisant l'aptitude serment de l'instant à votre phase de commandement, le porteur peut utiliser cette optimisation s'il est sur le champ de bataille. En ce cas, choisissez une deuxième unité ennemie jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. À chaque attaque d'une figurine Adeptus Astartes de votre armée qui cible l'une de ces deux unités ennemies, vous pouvez relancer le jet de touche et vous pouvez relancer le jet de blessure. C'est la même chose que le Space Marine, mais en mieux, parce que le Space Marine, c'est que quand il est mort. Voilà. Pas mal, pas mal. Donc, les unités spécifiques. Le maître du guet, donc en gros le capi. Bouge de 6, 100 du 4, save à 2. PV 5, commande 6, objectif contrôle de 1 avec une invue à 4. Figurine, dernière des figurines Firstborn refaite avant de passer au Primaris. C'est pour ça qu'il est quand même grave stylé, malgré le fait que ça soit un Firstborn. Il a du coup la lance de Veilleur. J'ai marché sur mon lacet, je vais me péter la gueule. 24 pouces de portée, 2 tirs, touche 2, force 4, PA 0, dommage 2. C'est comme un bolter, mais au mieux. Et la lance de Veilleur en mode mêlée, il a du coup l'arrêt spécial. Lance, plus 6 attaques, touche à 2, force 6, PA 3, dommage, PA 2. Dommage D3, c'est pas mal. Ça marche stratégique tant que sa figurine mène une unité. L'unité est éligible pour tirer et déclarer une charge un tour. Voilà, avancer ou battu en retraite. C'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça peut mener soit des vétérans de la Death Watch, soit une kill team Proteus. Ok, à voir ce que c'est qu'une kill team Proteus parce que là, je ne sais pas. Maître du guet, une fois par bataille, après que votre adversaire a utilisé un stratagème, si cette figurine est votre seigneur de guerre et est sur le champ de bataille, elle peut utiliser cette aptitude. Et dans ce cas, jusqu'à la fin de la bataille, augmenter de 1 PC le coût de ce stratagème pour votre adversaire. Ça, c'est un truc que je trouve sympa parce qu'il y a quand même moins... Enfin, il y a l'air d'avoir moins de façons d'avoir 36 000 PC dans cette 10e édition. Et donc, du coup, pourquoi pas. Le capitaine du guet Artemis, qui est achetable tout seul et qui était sorti à l'époque dans une boîte contre des arlequins. On l'a sait. Voilà. Bouge de 6 en du 4, save à 3, 4 PV, 1 vue à 4, c'est au moins 6, objectif contrôle de 1, voilà. Hellfire Extremis, anti-infanterie 4+, ignore les couverts, torrent parce que c'est un lance-flamme, mais du coup ils ont perdu le côté bolter du truc. En V10, il y a tellement d'armes qui avant avaient des spécificités que maintenant c'est... Voilà, et ça fait ça. Hein. Blessure dévastatrice, donc D6 touche automatique à 12 pouces, force 4, PA-1, dommage 1. Ok, alors, c'est vrai, on tirait jamais avec le bolter, mais quand même. Mais quand même, il a insensible à dehors à 6+, c'est pas mal, et il a meneur. Il a une épée énergétique de mec qui fait 6 beignes, touche à 2, force 5, paiement 2, dommage 2. Instant tactique, alors, tant que cette figurine mène une unité, vous pouvez cibler l'unité avec un stratagème, même si ce stratagème a déjà été utilisé par une autre unité de votre armée à cette phase. De plus, l'unité peut être ciblée avec ce stratagème, quand bien même elle est ébranlée. Ça, c'est sympa comme bidule. Je trouve ça sympa. Champion inexorable. La première fois que cette figurine est détruite, jetez un D6 à la fin de la phase. Et sur de plus, vous replacez cette figurine sur le champ de bataille aussi près que possible de l'endroit où elle a été détruite et hors de portée d'engagement des unités ennemies avec 1 point de vie. Nul. Avec tous ses points de vie, ça aurait pas tué. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si c'était un... C'est pas Lionel Johnson, quoi. C'est pas Gilliman, tu vois. Il revient avec un PV, quoi. Putain, il est déjà à moitié mort quand il est full PV. Voilà. La Kill Team Casus. Alors, la Kill Team Casus qui était sortie dans la boîte contre le culte de Genestealer à l'époque, où ni le culte de Genestealer, ni
là, des Swatch étaient désormais à part entière. C'était la première fois qu'on avait une refonte de ces figurines. Le Chaplin Casius et le Terminator de la K-Team uniquement ont un vulnérable à 4+. Donc, dedans, on va avoir le Chaplin Casius qui va bouger de 6 en Ducat, save à 3, 4 PEV, commande de 5, objectif contrôle de 2. Les vétérans de la K-Team tout à fait standard et du coup, mais grosse... Gros doigt dans... Ah non, équipé, voilà. Ah, voilà. Est équipé, machin, un réacteur dorsal. Mais du coup... Bah, il a un réacteur dorsal, mais ça lui avance à rien. Hein. Un gros doigt, quand même, hein, dans le réacteur dorsal. Hein. Moins que le réacteur dorsal, il donne... Alors attends, j'ai pas tout lu, je râle d'avance. Réacteur dorsal, voilà, le porteur a une caractéristique de mouvement de 12 pouces et peut se déplacer par-dessus les figurines des éléments. Ouf, ça va, j'ai rien dit. Donc du coup, après, tout pareil, sauf qu'ils ont 2 PV au lieu de 4. Forcément, c'est Chaplin Casius, c'est pas n'importe qui. On l'a vu dans la vidéo sur les Space Marines. Ça, c'est sa version Deathwatch. Le Terminator de la Deathwing qui va bouger de 5 en du 5, ça va 2, 3 PV. Commande de 6, c'est petit contrôle de 2. Et la moto, pareil, mais bouge de 12 au lieu de 5. Ok. Ils ont 10 000 armes différentes. On a un canon frag pour un comme ça là. Lui il a un Crozus. Il y a énormément de choses différentes. Il y a tout dans cette kit team. Je vous l'ai jamais montré. Je vous la montrerai. Je vais vous la montrer maintenant. Cassius. Pour que vous voyez un petit peu en fait. C'est que du easy to build et tout, vous l'achetez, elle est entièrement comme ça. Dedans, il y a un Psyker, il y a deux réacteurs dorsaux, un de la Raven Guard, un des Blood Angels, il y a un motard des White Scar, il y a un malade des Space Wolf, il y a un Imperial Fist avec son canon frag, il y a du Iron Hands tranquillou là, un Ultra, un Dark Angel avec son épée de Caliban, un Totor avec Gauntlet, avec un fuseur intégré, il est trop stylé, et un lance-flamme lourd. Et le Chaplin Casius, plus des petites bidules. Regardez la gueule du Totor, comme il est classe. Il est trop beau avec son... Ah, j'adore. Donc voilà, c'était ça. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses. D'ailleurs, Bolter jumelé, pistolet machin, bon canon frag, lance-flamme lourd, arme de tir longue de la veille, et purge psychique qui est le pouvoir du gars. Il n'y a plus le fuseur. Hein. Le fuseur, il sert à rien. Il a plus le fuseur. Hein. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ah, le canon frag, on n'avait jamais vu ça. Déflagration lourd, tir rapide, D3. Donc D3 tir, touche à 4. Mais touche à 3 s'il peut bouger. Force 7, PA moins 1, dommage 2. Ok. Catéchisme de la mort. Ah, ils ont tous FEP. Hein. Tant que cette unité inclut le Chaplin Casius, les armes de mêlée dont sont équipées les figurines de cette unité ont l'aptitude blessure dévastatrice. C'est pas mal. Ça veut dire du coup les armes de corps à corps, le Crozus, l'arme de force, l'arme de mêlée de la longue veille, le gantelet énergétique aussi, sympa. Ça en fait carrément un marteau Thunder en mieux. Et les paires de Griff Lightning ont du coup Devastating Wounds. Inflexible, chaque test d'ébranlement ou de commande pour cette unité, vous pouvez relancer le test. C'est pas mal. Et la coiffe psychique, l'unité du porteur a l'aptitude insensible à la douleur 4+ contre les attaques psychiques. Ok, c'est sympa. Alors, historiquement, elle a toujours été super classe. Il y a des gens qui proposent ça au Golden Demon et tout, mais personne ne la joue parce que ça a toujours été carrément trop cher, ça a toujours été nul. D'un côté, t'as un personnage nommé dedans, t'as un autre psycheur derrière, il y a tout n'importe quoi, il y a boire à manger dans ces critiques, donc elle est ultra jolie, mais je n'ai jamais vu sur une table sur une vraie partie compétitive. Les vétérans de la Deathwatch bougent de 6 en du 4, save à 3, 2 PEV, commandement de 6, ça veut dire contrôle de 2. Ils sont du coup battle line, oui, ils sont ligne. Serment de l'instant, les morts au Xeno. À chaque attaque d'une figurine de cette unité, relancez tout jet de touche de 1. Si la cible de l'attaque n'a ni le mot-clé Imperium, ni le mot-clé KO, vous pouvez relancer tous les jets de touche à la place. Tout le jet de touche, c'est pas mal. Les boucliers Astartes, si jamais il y en a qui ont, ça donne 4+ invulnérables. On va voir encore une fois pas mal de choses. Le Bolter lourd, lourd Infernus, tiens. 36 pouces de portée, touche soutenue 1. En mode Bolter lourd comme ça, là. Parce qu'ils ont plein de combis dans tous les sens et tout. Mais c'est dommage. Regardez, Bolter. Alors après, peut-être qu'ils ont accès à d'autres choses. Un Bolter lourd Infernus. Longue veille. Ils n'ont pas l'air d'avoir accès à énormément de trucs... À voir un peu, il y a beaucoup de choses hein, qui ont été parce que c'est en fait voilà, arme de tir de la longue veille, je présume que tout ça que ça là c'est enfin toutes les combis en fait, tout ce qui est combi bolter combi machin et tout, ça va être très vite très souvent depuis qu'on voit les stats là été remis en une seule arme. Mais du coup, ça a gagné anti-infanterie 4+, mais bon, il y a quand même un plasma là-haut là quoi. Tu
tu vois. Blessure d'Eva, tir rapide 1, mais bon, c'est un peu dommage. Donc, du coup, le Boulder Lourd Infernus, c'est soit 3 attaques, touche à 4, force 5, plus moins 1 dommage 2, soit 12 pouces de portée, la version lance flamme lourd, parce que c'est quand même un gros combi, hein. Décide tir, touche automatique, de force 5, plus moins 1 dommage 1. Ouais, ouais. De toute façon, moi, je vous dis, la Death Watch, hein, ça me fait pas trop d'effet. Les Terminators de la Death Watch, bouge de 5, en du 5, c'est 2, 3 PEV, commandement de 6 sous-titres contre 2, 1, 1,4 pour tout le monde. Si jamais il y a un bouclier, eh bien, ça passe à 4 PV. En gros, c'est des autotors et des tosors d'assaut en même temps. Par contre, ce qui est bien, en fait, avec la Death Watch, c'est qu'on peut jusqu'à 3 Terminators peuvent chacun remplacer Bolter par un canon d'assaut, un lance flamme lourd, un canon plasma. Ouais, y a, en fait, c'est des unités standards, mais avec du surarmement. Et sinon, chaque figurine peut avoir un Bolter Storm, une arme énergétique, un Bolter Storm, un point tronçon, une paire de griffes ou un marteau tonnerre. En gros, ils ont pris les totors normaux, les totors d'assaut, ils ont fusionné et ils ont augmenté les restrictions. Et donc du coup ça donne ça, donc en ça bah, c'est quand même assez cool et ça peut être plus fort, mais c'est dommage hein, parce que la Death Watch en fait elle, le problème c'est que ça tu le payes très souvent cher en points, donc là à voir comme ça c'est sympa, mais Death Watch en fait il y a peu de gens qui s'emballent parce qu'à chaque fois les points c'est trop cher, en fait c'est plus fort donc forcément faut que ça soit plus cher, mais ça devient trop cher en fait parce que c'est pas non plus trop plus fort, tu vois. Bref, Assaut Terminatus. À chaque fois que cette figurine finit un mouvement de charge, chaque unité ennemie à portée d'engagement de cette unité doit faire un test de débranlement. C'est pas mal. Balise de téléportation, début de la bataille, vous pouvez placer un pion. Balise de téléportation pour cette unité n'importe où sur son champ de bataille, hors de la zone de déploiement adverse. Et en ce cas, une fois par bataille, vous pouvez cibler cette unité avec le stratagème arrivé précipité pour 0 PC. Mais en résolvant ce stratagème, vous devez placer cette unité à 3 pouces de ce pion. Il y a plus de 9 pouces des figurines ennemies. Et le pion est alors retiré comme les totors standards. Voilà, si jamais un perso il peut rejoindre une squad de Totor, eh bien il peut aller dedans. Et pareil pour là, on a eu si jamais un personnage peut rejoindre une squad de vétérans Vanguard, eh bien il peut aller dedans. Putain, ça compte comme des vétérans Vanguard. Waouh. Ah, et j'ai pas lu la lame Xénophase, blessure dévastatrice. Putain, avant ça avait annulé les invus. 4 attaques, touche à 3, force 5, plus moins 2, dommage 1. Ouais, bah, le marteau de Thunder Death Watch. Ah, touche à 4, ouais, force 10, plus moins 2, dommage 3, c'est pas mal. Ouais. Escouade de vétérans à moto, bouge de 12, en du 5, c'est votre 3, 3 PEV. Commandement de 6, plus contrôle de 2. Si jamais il y a un bouclier, invulnérable à 4. Sympa. En fait, c'est juste qu'ils ont beaucoup plus d'options. En fait, c'est des Space Marines standards, mais avec énormément d'options. Parce que c'est censé représenter. En fait, si jamais vous savez pas, la Death Watch, en gros, c'est des gens qui quittent leur chapitre pour aller dans la Death Watch. C'est un truc vraiment anti-Xenos pur. Et ils gardent juste l'épaulière droite de leur chapitre en souvenir ou un truc comme ça. Et donc, du coup, ben. Dans la Death Watch, t'as l'âme de tous les chapitres, parce que tu peux faire des escouades avec des Ultras, des Salamanders, des Imperial Fist, des Blood Raven, des Blood Angels, des Dark Angels, tout ce que tu veux. Et donc du coup, bah, il faut un peu représenter tout ça, et c'est pour ça qu'il y a autant de diversité là-dedans. Mais en général, c'est trop cher. Turbo Boost. Chaque fois que cette unité avance, ne faites pas de jet d'avance et ajoutez 6 à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité, bien évidemment. Sinon, après, c'est des motos tout à fait standards, exactement les mêmes que celles des Space Marines, avec bah, plus de trucs. Ça a arme de tir de la longue veille, anti-infanterie 4+, toujours pareil, blessure dévastatrice et tir rapide 1, sinon c'est un bolter normal, mais avec ces règles-là en plus, donc du coup, bah, plus cher. Ça a accès du coup aussi à les armes de mêlée de la longue veille, 3 attaques, touche à 3, force 5, pas modo, dommage 1, ça c'est bien. Ou alors la lame de Xénophase, qui est la même chose, mais avec blessure dévastatrice. Et sinon, c'est un peu tout pareil. Et c'est un petit peu dommage. Oh, le Corvus Blackstar, qui est une unité, une figurine unique à la Death Watch. Tu peux pas les trouver autre part. Bouge de 20, infanterie, il a stationnaire, il a discrétion, incroyable. Et il explose à D6. En du 10, save à 3, 14 PV, commandement de 6, et pas d'objectif contre 3, bien évidemment. Le lance-roquette Blackstar. Déflagration de 30 pouces, D6 plus un tir, touche à 3, force 5, pas de PA et dommage 1. Multiracal, on connaît, lance-missile Stormstrike, 48 pouces. Un tir touche à 3, force 10, plus moins 2, dommage 3, pas mal. Canon laser jumelé, ok, comme d'hab. Lance grappe Blackstar. Chaque fois que cette unité finit un mouvement normal, vous pouvez choisir une unité par-dessus laquelle elle est passée à cette phase de mouvement et jeter 6d6. Pour chaque résultat de 5 ou plus, cette unité prend une blessure mortelle. Ça fait en moyenne 2 blessures mortelles. Ça va. Panoplie de specs. Les armes de tir dont sont équipées, le porteur en aptitude ignore les couverts. Ah, c'est sympa ça. Si jamais tu lui donnes panoplie de specs, tout à ignore les couverts. Après, est-ce que c'est si fort que ça? Est-ce qu'on aura beaucoup de couverts ou pas dans la V10? Je sais pas, il faudra voir. Allo, lanceur Infernum. Bouclier fumé. Tout ça pour ça. Alors, cette figurine a une capacité de transport de 12. Une modèle, du coup, infanterie Azarthès ou une kill team.
Chaque figurine a réacteur dans sa salle, Gravis, où Totor occupe à la place de 2 figurines, et chaque figurine montée occupe à la place de 3 figurines. Ok. Tout à fait normal. Kitim Proteus. C'est quoi la Kitim Proteus? J'ai aucune idée de qui c'est. C'est pas une boîte spécifique, donc il y a des vétérans, il y a des motards, il y a des Totors. Ok, donc ils ont une doctrine Proteus. À chaque attaque d'une figurine de cette unité qui cible une unité qui n'est pas en dessous de son demi-effectif, vous ajoutez un jet touche. Ok, si jamais il y a des boucliers Astartes, il y a une invue à 4. Si jamais il y a un bouclier Storm, c'est un PV à 4. Donc bouclier Astartes, c'est pour les Space Marines à pied, enfin en armure énergétique. Les boucliers Storm, c'est pour les Totors. Heureusement qu'ils ont mis un nom différent. Réacteur dorsal, bah, bouche de 12. Et après, bah, en gros, c'est un gros micmac. En fait, je pense que ouais, c'est exactement comme... en fait, c'est une kill team comme la Casus, là, mais sans les persos et avec tout ce que vous voulez dedans. Ça va de 5 à 10 vétérans kill team. Alors, attends. Ah, 10 figurines maximum, ouais, ouais, c'est écrit là. Donc voilà, vous pouvez vous arranger un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 motards, jusqu'à 4 totors et jusqu'à 4 vétérans avec réacteurs dorsaux. Ça peut être sympa, vous pouvez faire un gros micmac. Ok. Kill Team Fortis. Ah oui, en fait, du coup, maintenant, ils ont donné un nom spécifique à la Kill Team en fonction de ce que t'as dedans. Ok, et donc du coup, quand t'es un Kill Team Fortis, donc c'est la version intercesseur, parce que bah, je l'ai pas acheté en... Enfin si, je l'ai acheté, mais il est encore emballé, pour vous dire à quel point... en V9, et donc du coup j'ai raté ça. Kill Team Fortis, du coup, c'est la version Primaris, donc on a les intercesseurs et les Outriders, donc c'est toujours pareil. Et on peut avoir jusqu'à... on peut en avoir... Ok, donc tu peux avoir des Hellblasters dedans, des intercesseurs avec pistolet bolter lourd, donc en gros c'est des intercesseurs d'assaut. Parce que du coup, ils vont avoir les épées tronçonneuses des Astartes et tout ça, bah, bien évidemment. Plus accès aux armes de la Landveil, etc., etc. Donc en gros, ça mixe les Outriders, les Hellblasters, les intercesseurs normales et les intercesseurs d'assaut. C'est ça que je comprends. Et donc du coup, ça va aussi sûrement bientôt mixer les Infernus. Bah oui, bien évidemment. Les Kill Team Indomitor. Donc c'est les mêmes choses en version Gravis. Donc du coup, bah, grosse endue, hein, bouche de 5 et endue 6. Doctrine Indomitor. Ah, j'ai lu ça. À chaque attaque d'une figurine de cette unité qui cible une unité qui est en dessous de son demi effectif, je dis un jet de touche, ok c'est pareil, et là, chaque attaque d'une figurine de cette unité, ajoutez un jet de touche si cette unité est en dessous de son effectif initial, et ajoutez un jet de blessure aussi si c'est en dessous de son demi effectif, ok, donc ils aiment bien taper sur les plus faibles hein, tout le temps. On va avoir du coup bah, tout ce qui est en gravis, les Inceptors, les Agressors, le fuseur, multifuseur, du coup les Eradicators, Gantlet Flamestorm et tout, ouais, donc ça va être un peu tout ça. Vous avez donc avec Gantlet énergétique, intercesseur lourd. Ah, ça prend aussi des intercesseurs lourds, d'accord. Donc on a intercesseur lourd avec Gantlet énergétique, intercesseur lourd avec fusil fuseur et avec réacteur dorsaux. Donc les intercesseurs lourds avec Gantlet énergétique, c'est les agresseurs. Les réacteurs dorsaux, c'est les Inceptors. Les fusil fuseurs, c'est les Eradicators. Et les intercesseurs lourds, c'est les intercesseurs lourds. Eh ben... Kill Team Spectrus. Donc les versions Primaris, je présume, avec... tiens, j'ai pas lu là. Ils ont quoi? Ils ont Kill Team et Serment de l'Instant. Kill Team... Oh, ben, en fait, j'ai pas lu parce que je suis passé dessus, mais j'ai pas... Voilà. Du coup, les versions Armure River et Armure Infiltration, je présume. Infiltrator, voilà. Infiltrator... Bolter Sniper, Infiltrator Réacteur Dorsal, Infiltrator Carabine Bolter Oculus et Couteau de Combat. Ok, donc il y a tout ce qui est en armure comme ça. Et ça a du coup Éclaireur 6 pouces. Donc Éclaireur 6 pouces, c'est au début de la partie. Avant le premier tour, vous pouvez bouger de jusqu'à 6 pouces. À la fin du tour adverse, si cette unité est à plus de 6 pouces des unités ennemies, vous pouvez retirer cette unité du champ de bataille et la placer en réserve stratégique. Elle reviendra en bataille à l'étape de renfort de la prochaine phase de mouvement. Sympathique. Ok, Gantlet Helix, les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude insensible à la douleur à 6+, pas mal, mais comme les infiltrators ou les incursors, je sais plus. Infiltrator, chaque fois que vous ciblez l'unité du porteur avec la stratagème, jetez un des 6 et sur 5+, vous gagnez un PC. Ok, et les réacteurs dorsaux qui donnent 12 pouces et ignore tout, donc c'est sympa. Et armurier de la Deathwatch, ah, ils sont là. Bolter lourd, ouais, non, Bolter lourd, Infernus, canon d'assaut. Ah non, ils sont pas là, les combi bolters, ça a disparu. Et donc voilà, donc en gros, eh bien en fait, il y a tout qui est regroupé dans des petits trucs. Et historiquement, ça a toujours été plus cher en points à cause de ça. Parce qu'en fait, du coup, bah, tu peux prendre un Eliminator juste comme ça, boum, dans ta petite squad de incursor, d'infiltrator, de river. Comme ça, en plus,
Tu peux prendre dans ton escouade d'agresseurs un incepteur avec fusil plasma pour avoir encore plus d'accélération et tout. Et en fait, ces possibilités-là, ça se paye sur les points. Et du coup, bah, même si c'est très cool et très sympa, et ça donne vraiment envie de les jouer, à chaque fois, tu te dis, mais en fait, tu payes juste plus cher en points pour bah, juste la possibilité de pouvoir les mixer. Et en plus, la plupart du temps, bah, on va pas forcément avoir envie de les mixer. Donc après, on refera un petit point sur la Deathwatch quand on aura les points. Plus tard, hein, pas le jour où on a les points, ça va être trop lourd à regarder. Mais on fera un petit truc et on verra si bah, ça a été un petit peu EP ou pas. Mais si ça part comme avant, bah, malheureusement, la Deathwatch, on va pas en voir beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire. Ciao, ciao.